Salut les copains. Quand on parle de monde de plongée, on pense tous à... la Submariner. Mais si je vous dis que cette montre, c'est une putain d'imposture et qu'elle a rien inventé. Je vous explique tout ça après le générique. Ça veut pas dire que j'aime pas cette montre. La Submariner, pour moi, c'est une toquante emblématique. C'est ce qui m'a permis de kiffer les Rolex. Réellement, moi qui suis collectionneur et qui aime les montres vintage, c'est pas la vraie toquante de plongée par excellence. Pour moi, il y a deux catégories de montres de plongée. Il y a les anciennes montres de plongée et les nouvelles montres de plongée. Ce que j'appelle les anciennes montres de plongée, ça va être tout ce qui est montre, grosso modo, avant les années 50. Parce que la première montre de plongée, c'est 1932 avec l'Omega Marine. Les cadrans étaient grosso modo blancs, les boîtiers étaient étanches comme on le pouvait. Et c'était en fait aux plongeurs d'essayer de chercher le jour grâce aux gros index que les montres avaient, qui étaient des index en chrome, pour savoir combien de temps il leur restait. Panerai, là où ils sont plus forts que les autres, c'est qu'ils ont inventé, donc sur le brevet de la Radiomir, un cadran en bakélite avec une première feuille de bakélite, une feuille entière de radium, histoire de capter la lumière du jour, de l'emmagasiner grosso modo dans cette capsule de radium et de redonner la lumière au fond de l'eau, c'est-à-dire que la montre n'a plus besoin d'avoir la lumière qui la touche directement pour avoir une lisibilité parfaite. Et par-dessus, donc cette grosse couche de radium, on a un cadran qui est ajouré, qui permet justement d'avoir les marqueurs lumineux. Donc l'index de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans ces montres-là, il y avait des mouvements Rolex, les boîtiers et l'étanchéité étaient confiés à Rolex, et c'est ce qui a permis, grosso modo, d'en arriver à l'invention en 1952, il pose les prémices, 54, il est présent à Bâle. De là, Blancpain, 50 Phantom. La première personne qui est vraiment investigateur de ce truc-là, ça va être Bob Maloubier. Donc Robert Maloubier, c'est ni plus ni moins, t'as vu tous les James Bond, ils ont été inspirés de sa vie. Donc c'était un agent double, voire un agent triple, hein, on sait pas trop. Nous savons qui vous êtes, et nous savons aussi ce que vous faites au Brésil, double 117. Juste 117. En 1952, la France va de plus en plus vers un état d'espion, et donc c'est comme ça qu'il crée le SDEC, et qui deviendra plus tard la DGSE. Les plongeurs de combat aussi. Donc les plongeurs de combat qui se transformeront en les commandos Uber. Donc on voit ce mec-là qui est un plongeur parmi les plongeurs, qui est juste une bombe nucléaire, et on lui demande de dessiner une toquante, grosso modo, pour équiper les nouveaux plongeurs. Il faut penser à un truc avant tout ça. Pourquoi la France est investigateur des plongeurs de combat? Tout simplement parce qu'on a ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un MC-45. C'est ce qui nous a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale, en partie notamment de nettoyer les côtes pendant le débarquement. C'est ni plus ni moins que le premier détendeur de plongée autonome. Ça a été développé par JIC, Jacques-Yves Cousteau, et son beau-père, qui ont créé la Spirotechnique. La Spirotechnique qui devient un des premiers équipementiers de la Marine nationale française et qui aidera et qui formera la plupart des plus grands groupes armés au monde. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas créé ça. Et le truc qui est encore plus drôle, c'est que maintenant qu'on a créé ça, on revient à ça. Je vous explique tout ça. Donc on est en 1954, et à Bâle, on nous présente la première 50 Phantom. C'est une montre qui fait 35 mm, qui se démarque par rapport à sa petite lunette de plongée en bakélite, et surtout son appellation 50 Phantom. C'est grosso modo 50 brasses, ça correspond à 90 mètres. On sait descendre à grosso modo 90 mètres de profondeur. On développe énormément de matos, notamment des détendeurs et des montres, et des profondimètres, et des boussoles, et des compas pour y aller. Mais le truc qui est le plus compliqué à développer, ça va vraiment être la montre. Donc on va voir Robert Maloubier pour qu'il dessine la première toquante. La première fait véritablement 35 mm de diamètre. Et un de ses brevets, c'est justement, dans son étanchéité, cette bague qui permet de bien faire pression avec un joint, mais qui est juste énorme, quoi. Donc ça, c'est véritablement le premier modèle. En étant le premier modèle, c'est l'un des plus rares. C'est une montre qui, pour moi, est encore hyper abordable et beaucoup moins chère que les 55-13. On en trouve principalement en France, surtout des petits modèles comme ça. Et c'est ce qui va permettre, grosso modo, en 54-56, de créer le modèle emblématique de la 50 Phantom. Donc la 50 Phantom 42 mm, c'est une toquante qui est révolutionnaire sur beaucoup de choses. Par rapport à son étanchéité, par rapport à sa lunette rotative, car elle vient couper l'herbe sous le pied à Rolex, car ils la sortent avant l'arrivée de la 55-13, donc Rolex doit étudier un nouveau système de verrouillage de lunettes. On a un cadran qui est extrêmement lisible, et notamment avec des marqueurs au radium qui se chargent comme les Panerai à la lumière du jour pour ensuite redonner sa lumière en haute profondeur, et c'est une montre étanche à 150 mètres de profondeur. Car il la donne pour 90 mètres, mais pour des sécurités, vu que c'est véritablement un outil, on s'amuse
à tester le produit dans, dans ses plus grands retranchements. Et cette montre-là est véritablement étanche à 150 mètres en 1954. C'est des montres vraiment under the radar. On est grosso modo sur un produit à 35 000 euros. Il y a eu à peu près 3500 à 4 000 Blancpain 50 Fathom de cette génération-là produite. Donc on est vraiment sur une toute petite production. Plus tard, ils feront des générations qu'on appelle les 1000 Spec qui serviront aux Navy Seals. Des 3H qui serviront... Alors, le nom, il est imprononçable. Mais c'est grosso modo, c'est les plongeurs de l'armée allemande. C'est une colossale conspiration. C'est une vraie partie de l'histoire horlogère française. C'est une montre qui a tout pour plaire, car en 1954 sortir un produit aussi large et aussi épais que ça, ça n'existe pas. C'est une toquante qui est d'une fiabilité que tous les plongeurs ont eu, et c'est là où je voulais revenir justement à Jacques-Yves Cousteau. C'est notamment lui qui aura été grosso modo l'ambassadeur du développement de cette toquante. En les portant et en les faisant porter par ses plongeurs par des soucis justement de sécurité, notamment dans Le Monde du Silence qui est sorti en 1956. Donc le film a fait le tour du monde, tout le monde a voulu avoir ses montres avec ses grosses lunettes, et c'est une montre française, c'est encore plus cool. Voilà grosso modo sur ce que je peux dire sur la Blancpain 50 Fathom, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, on peut ouvrir une foire en question, on peut ouvrir plein de choses, car nous c'est des produits qu'on adore à l'atelier. Rolex, oui, restera dans mon cœur, mais Blancpain commence à prendre de plus en plus de place. N'oubliez pas que derrière la Submariner, quand on vous explique son histoire, il y a surtout la Blancpain 50 Fathom. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, car il y aura énormément de sujets qui vont être évoqués comme ça, parce que c'est des trucs qui me plaisent, j'aime bien vous raconter l'histoire des toquantes, que ce soit à la boutique ou que ce soit derrière ce petit boîtier. Je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Non. Non. Ah non. Dans tous les cas, je vous dis à tantôt. Normalement, avec les trois trucs. Difficile cette clôture. Hein.